Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc le code de la map sera en description en commentaire épinglé, merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours. Alors le code d'aujourd'hui de ce glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo est le 417. 3, 5, 2, 8, 4, 6, 8, 5, 6. Donc voilà, vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map. Le code sera aussi en description, en commentaire épinglé. Ensuite, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, entrer le code S. C'est M en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne, donc merci énormément. Par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Alors, quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options, vous allez dans Menu, lancer le jeu. Et là, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes. Donc pour être sûr que vous gagnez beaucoup d'XP. Après, si vous êtes pressé, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 10 minutes. Mais si vous attendez 10 minutes, vous gagnerez plus d'XP. Donc moi, je vous conseille d'attendre 10 minutes. Donc là, vous faites oui. Et là, je vais tout simplement attendre 10 minutes avant de vous présenter le glitch pour gagner plus d'XP. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc là, j'ai attendu 10 minutes. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est aller à côté gauche du mode spectateur. Là où il y a l'XP shop. Et vous allez construire 1, 2... trois plats comme ceci à côté du bouton gauche, à gauche du bouton. Et ensuite, vous construisez deux plats sur la droite. 1, 2, voilà. Donc, ça fait une sorte d'angle droit. Et quand vous êtes sur le dernier plat, vous allez faire une petite émote, ce qui va faire apparaître un bouton juste ici, interaction. Donc, vous interagissez avec ce bouton, vous récupérez les pièces qui sont juste ici. Et là, ensuite, normalement, il y a plusieurs boutons. Attendez, je vais vous les dire. Ok, donc il y a 11 boutons. Alors, le premier bouton, normalement, il se trouve par ici, voilà. Donc, à chaque bouton, vous spammez. Hein. Vous spammez carré, 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 carré. Ensuite, il y a un deuxième bouton ici. Donc, vous spammez, spammez, spammez. Donc, j'étais niveau à la moitié du niveau 14, hein, vous avez pu le voir. Donc, là, il y a un troisième bouton. Ensuite, tout-doudoum. Donc, là, il y en a un. Donc, là, je crois que ça, on a 5 boutons. Ensuite, vous rentrez ici. Là, il y a un bouton. Ça fait 6 boutons. 7 boutons. 8 boutons, 9 boutons, et là il devrait en rester plus que 2 qui sont normalement par ici, donc le 10e ici et le 11e ici. Donc voilà, quand vous avez interagi avec les 11 boutons, vous récupérez des pièces ici et vous les échangez contre des XP. Donc vous spammez, vous spammez, vous spammez jusqu'à temps que ça vous donne plus d'XP. On spam, on spam. Spam, on spam. Spam. Et le dernier. Voilà, parfait. Donc, quand vous avez spammé avec tous les boutons, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Option, vous faites réapparaître. Ok. Et là, vous allez dans la boutique d'XP, donc XP Shop, et vous allez pouvoir gagner des XP. Donc, soit vous allez ici. Ah! Vous donnez des pièces, on peut le faire aussi, mais apparemment ça ne marche pas. Ah bah en fait il les a enlevés. Ok, en fait il les a enlevés. Il n'y a plus ouais, il n'y a plus les objets qu'on pouvait casser pour gagner des XP et tout ça. Donc il a changé l'XP shop. Donc là vous ne pouvez plus gagner d'XP par là. Mais quand vous avez terminé le glitch, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez le jeu et vous relancez le jeu et vous refaites le glitch en illimité. Donc ici, j'étais niveau 14, je suis niveau 18, ça fait 4 niveaux, donc 4 x 8, 8, 16, 24, 32. Ça fait 320 000 XP en un seul glitch. C'est plutôt pas mal, en 10 minutes c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.